Eh bien, bonsoir. Bienvenue à tous sur la chaîne. On se retrouve une nouvelle fois pour le donjon de Nahulbuk. Ensemble, on va continuer l'aventure dans le donjon. J'essaie de faire un truc. Voilà, voilà. Twitch. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Et on est parti. Voilà. Alors, on va charger. Alors, on s'était arrêté au chapitre 3. Et avant de commencer le chapitre 3, on était à la recherche de poulet. Voilà, poulet que je n'ai pas trouvé à l'heure actuelle. Donc, on va bien voir ce qu'on en fait de cette quête. On va continuer à chercher hein, quand même. Parce que bon, ce serait malheureux qu'on ne trouve pas.
Ouais, parce que du coup, c'est vraiment partout en fait les poulets. Et donc là, il me semble qu'on y est allé. Le dortoir, je crois qu'on en a fait le tour. On va aller voir la cuisine. Est-ce qu'il y a un poulet en cu... il y a des poulets en cuisine? Bon, je vais pas les chercher longtemps les poulets. Ah bah voilà, on l'a. Voilà. Ne manque que 4 poulets, quoi. Bon, Mako a l'air de s'en être remis depuis la dernière fois. Tant mieux. Je me voyais pas à ce que ça recommence, parce que bah c'est pas très agréable pour vous comme pour moi. Alors, il me semble qu'ici j'en ai fait le tour. C'est un poulet ça? Ah non. J'aurais terminé au moins cette quête si c'est possible. Après, si vraiment je vois que je tourne trop en rond, que j'arrive pas à trouver, on continuera le chapitre. Ah, on l'a un. Trouver Maurice. Hop, encore un. Mais décidément. Il ne manque que Josette et Raymond. Ah mais j'ai un problème en fait, je vous entendais pas le jeu, je viens de me rendre compte. Oh, c'est pas bien ça. Voilà, c'est bien. Oh, tu vois, passer du temps à discuter, ça nous rapproche. Oui, je suis bien contente. Encore dodo lui. Puis Clove il l'a assommé. Allez, il nous manque 2 poulets. Ça serait bien qu'on trouve les autres poulets. Parce qu'ils avaient. Non, ils n'avaient pas. Ah si, l'elfe avait gagné un niveau. On va upgrade l'elfe. Pourquoi les gens mettent des mains dans mes poches? Alors, tir lointain. Un tir à très longue portée qui inflige des dégâts. Ça ne pas réduire les possibilités de tir mis pour autant. Mieux que rien, c'est toujours pas grand chose. Hop là, voilà. Donc ici c'était le coffre.
Pas de poulet là-dedans. Il n'y a pas de poulet. Ah, s'il y a un poulet là. Alors, on a été là. On va aller voir là-haut. On trouve le prochain. Alors, on va aller voir pour des escaliers là-bas. J'ai trouvé quand même deux poulets dans la cuisine. Hein. Non, un poulet dans la cuisine. Oh là, mais c'est que vous faites parler de vous, mes gaillards. Ah oui, nous sommes célèbres. Pardi, qu'est-ce vous avez débarrassé le donjon du nain maléfique, c'est pas rien. Et du voleur maléfique aussi. Ah, il y en avait un. On n'avait pas remarqué. C'est trop injuste. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous avez la forme. Dites, il paraît que vous acceptez des petits boulots. Si c'est bien payé. Et s'il y a de la baston. Non, mais là, c'est plutôt un service. Je dois aller à la cave chercher une caisse de pinard. Il faut de l'aide. Où je me disais. Échange. Ou mieux, je vous donne une bouteille. C'est pas très glorieux comme quête. Ça va, tuer des rats et ramener du pinard, c'est dans nos cordes. La corde de mon arc ne sert pas à transporter du vin. C'est sûr, c'est plutôt une corde à linge. Bon, c'est si vous avez le temps, hein. À tout hasard. Je vous prête une clé pour aller à la cave. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. Ok. C'est bon. Alors voilà, je savais bien qu'il y en avait un. Alors, on vient de trouver Josette. Et maintenant... on va certainement trouver le dernier poulet. Ah non, même pas, c'est les toilettes. La porte était fermée, donc ça m'étonnerait. Alors là... Il n'y aura pas un poulet qui traîne là. Il n'y a pas de poulet qui traîne dans le carré VIP. Donc c'est pas dans le carré VIP. Celle-là c'est fermé. Je viens de là, mais je vais quand même faire le tour. Ah, les cultistes, c'est vrai. Ceux du culte qui font dormir, là, le culte du sommeil. Là. Bon, ici, c'était fermé. Donc, là. Très bien, merci l'elfe pour... Ce qui m'embête, c'est que ce coffre, je sais pas comment le faire pour... Il y en a qu'une à activer en fait. Avec une statuette activée. C'est moche. Bon. Là où on n'a rien. Alors, où est-ce qu'on n'a pas été ? Alors ici j'y suis allé, on est remonté par là aussi. À la coopérative, j'y suis peut-être pas allé. Ah si, j'y suis allé avec la bibliothèque qui était là. Là j'y viens.
Eh ben, je crois que je suis allé partout en fait. Il me manque juste un poulet, je suis allé partout. Bon bah on va lâcher l'affaire des poulets, je crois. On va aller chercher le vin, la cave. Quelqu'un voit un poulet sur la route qui me le dit. En fait, il n'y a que cette porte là que je peux pas aller. Ça se trouve le dernier poulet il est là. Je vais essayer de reparler aux deux guignols là-bas. Alors, vous avez retrouvé tous mes poulets? Les pauvres bêtes! On y travaille, mais l'investigation volaillère, c'est un métier, vous savez. Vous voulez quoi? J'ai pas que ça à faire, je suis un éleveur très occupé. Un homme d'affaires du premier plan au niveau du filet de volaille de qualité. Alors c'est vous qui avez dispersé ces poulets? J'ai juste aidé des pauvres bêtes éprises de liberté à échapper à un tortionnaire incompétent. Elles se sont égayées à cet étage, mais c'est tout. Un vrai libérateur. Tortionnaire incompétent, c'est pas mal ça. Cette tête me semble bien incongrue. Enfin, il faut bien parfois tenir compte des besoins de la plèbe si l'on veut éviter les révoltes paysannes. En tout cas, si les poulets sont éparpillés à cet étage, ça devrait aller vite. Miam miam, côte côte. Non, si on veut la récompense, il ne faut pas les manger. Ah oui, ça c'est sûr. Si on veut la récompense, il ne faut pas les manger. Ça c'est sûr. Bon, le dernier poulet. Bon, il n'y a pas de dernier poulet. On va aller chercher le vin à la cave. La vignasse. Ici, là, lui, le rôdeur. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Et votre façon d'aborder les étrangers est étrange. Tout ça pour ça. Vous pouvez pas me dire autre chose. Alors, à la cave. C'est bizarre, les poulets, il y en a partout en vrai, mais le problème c'est que c'est pas les bons. C'est les poulets bleus qu'on cherche, et du coup... On va les tuer des rats. Normalement, je suis tout droit. Bonjour. Eh mais, vous n'êtes pas la vendeuse habituelle? Non, elle est en arrêt maladie. Elle a glissé. Glissé sur le poing du barbare. Ouais, elle s'est pété la face. Du coup, je la remplace, je suis intérimaire. Et la sécurité a été renforcée. La sécurité contre les glissades? D'accord, ouais, c'est bien ce qu'il disait par rapport au commerce, chaque chapitre. Ah oui, mais elles vont pas de la taupe en plus. Ah oui. Non, pas mon or. Bon, le nain, tu vas te détendre. Hein. L'argent doit circuler. Des bandages, bandoulières. 300, oh, 3 emplacements. C'est bon ça. Ça peut servir. Bottes d'archère rusée. Oh, ça, c'est pour l'elfe. J'espère que ce sera un investissement utile. Oh, tu bottes de l'exécuter, exécuter. Très bien. Bouclier. En fait, il y a que les tout ce qui est amulettes qui sont super chers. Ouais, c'est ça, 1900. Tunique elfique d'archerie. Ah, la tunique. Eh ben, on va voir. Allez, on va équiper tout ça. Donc, l'elfe. Alors, on est sur les armures. Donc, les bottes elfiques. Oh, c'est pour moi? Merci,
suis bien contente avec ça. Voilà, voilà sa nouvelle tenue. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Le ranger. Il a déjà le brassard épique, super. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Le grand. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Tout. Si ça sent, c'est mes bottes. Je donne rien à personne. Le nom. Je suis toujours le plus démuni. Eh non, t'es pas le plus démuni. Arrête un peu. Qui pourrait se revendre un bon prix? Ouais, d'accord. Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame, sauf si elle vous y invite. Merci, je le prends comme un modeste hommage à ma personne. Ouais, d'accord. Écoutez-la, elle. Alors, le ranger. On va changer son bouclier. Excellent. Son arc, il a déjà un orange, c'est bon. J'ai des nouvelles têtes pour les écureuils. Attention à mes livres. Il y a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Voilà, un arc pour le barbare. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Une arbalète pour le nain. Ah, quand même, les bons objets aux bonnes personnes. Ah non, pas mes poches. Et lui, il a pas d'arbalète. Voilà. Que voulez-vous, roturier? Roturier, mais quelle saleté celle-là. Ben voilà, alors, commercer. On va vendre les items qui nous servent à rien. Vendre. Hop. Je vais vendre tous les équipements blancs. C'est ce qu'on fait. Voilà. Ah, j'ai un talisman de Doul. Mouvement sprint, point de vie par tour. D'accord. Sur qui je vais l'équiper celui-là? Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Après. Ça peut être intéressant sur la. On va bien voir. On va se manger un point de vie par tour. Hop. Ceinture de cumul. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Alors, l'ogre. Voilà. Voilà, on est bien. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, est-ce que je peux fracasser la porte? Et là, attention à ta tendinite, vieux. Voilà. Alors, le voleur, détecte-moi les pièges. Ah mais oui, c'est celui-là. Alors du coup, est-ce que ça va changer pour mon père au début? Je crois qu'il va falloir essayer autre chose. Donc, de mémoire. Zut, mauvaise combinaison. Celui-là, on sait que c'est le bon. Next. Salut Assom, comment il va? Ok, donc celui-là, c'est toujours le premier. Bien, bien, bien. Ok, celui-là, c'est toujours pas bon. Bon, en tous les cas, faut tous les essayer, hein. Donc il reste celui-là. Voilà. Je dirais celui-là.
C'est quoi celui-là? C'est pour débloquer l'accès à un coffre à Wesson. Comment ça? Ah mais il était bon? Oh la vache. Ouais. C'est pas vrai. Ah non, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il me dit le jeu là? Comment? Sitôt ce donjon terminé, je change de groupe. Enfin, si je survis. Alors attends, hop, celui-là. Donc celui-là. Ensuite. Là ici on en a deux. Un, un. Ouais c'est ça, il y en a que six. Hein. Mais bon. Ah c'est pas bon. Ah il y en a un là. Il y en a sept alors. Alors attends, tac. Tac, on a les deux. Donc là on aura certainement le troisième. Eh non, toujours pas, mais c'est quoi ce délire? J'ai les deux premiers. Coucou Jenny, comment tu vas? J'ai les deux premiers mais j'ai pas... Non mais je fais nappe. J'ai les deux premiers mais j'ai pas le troisième. Alors, le premier. Voilà. Le second. Celui-là. Alors, celui-là on a essayé. Ça va pas, celui-là on a essayé, celui-là on a essayé. Celui-là j'ai essayé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres, il y en a 7, je suis pas fou. Ça va très bien, ça va très bien. Donc du coup, c'est celui-là. Eh non, toujours pas. Bon. Voilà. Donc, 1. Ah mais attends. Voilà, c'est celui-là. Donc 3. Oh, 4. Celui-là peut-être. 5. Oh. Oh, plus que 2. Le type qui a taillé ses pierres devait être incompétent, manchot et alcoolique. Un humain quoi. Perdu. Voilà. Ok. On commence. 1. Deux. Trois. Quatre. C'est pas lui. N'hésitez pas à m'aider hein, si vous voyez que... Si vous avez une idée, n'hésitez pas. C'est bizarre, j'ai l'impression d'oublier un en fait. Ah, attends, on va recommencer. Alors, 1, 2. En fait, c'est un coffre caché que je. C'est un coffre caché, donc je dois faire la bonne combinaison pour avoir accès au coffre caché. Donc, 4. Pas lui. Donc 1. Oh la vache. 1. 2. 3. 4. Celui-là on l'a fait. Celui-là on l'a fait. Flûte! Flûte et flûte, arrête ta flûte.
Ça se trouve, j'ai perdu le cinquième en route, donc du coup, je me souviens pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, pas mon chef, okay. Clampin boiteux. 5, on va dire 6. Perdu, on recommence. J'ai le cinquième. Alors en fait, Jenny, si tu veux, quand ils sont dans le bon sens, ils restent comme ça, tu sais. Ils restent activés. Si je fais une erreur dans la combinaison repart à zéro. Donc là, pour l'instant, j'en ai 5 de bon. Il m'en manque 3. 2. 3. Enfin, non, 4. 5. 5. Celui-là, on l'a essayé ou pas? On va essayer celui-là. Ah, 6. Allez, une chance sur 2. Alors, celui à ma droite ou celui à ma gauche? Celui-là ou celui-là? À gauche? Allez, gauche. Ah, dommage, c'était droite. Dommage, Jenny, c'était droite. C'est bien joué, bien joué. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Donc là, on recommence. J'ai les 6 premiers. Enfin, du coup, j'ai la combinaison complète. 2. Ninja. 3. 4. 5. 6. 7. Rome n'aime pas les énigmes. Ah bah voilà. Je préfère les mandales. Il y en avait un qui servait à rien, quoi, apparemment. Et du coup, le coffre. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Et ben voilà, une baudrière renforcée pour barbare. Parfait, tout ça. 45 pièces d'or. Voilà. Que demander de plus? Hop, un petit peu de save pour le barbare. Et on n'en parle plus. Équipé. Ah, cool. Chrome a le même chez lui. Cool, Chrome a le même chez lui. Voilà. Donc ça, c'est les petits salles au trésor de l'ogre. Donc ça consiste à... comment? Oh, il y a un sous-sol en plus au cave, j'avais jamais fait gaffe. Ça consiste à... Ok, ici c'est fermé. Mot de passe. Ah merde, il faut un mot de passe. Vous auriez un petit indice? J'ai du mal à m'en souvenir. Le mot de passe? C'est facile. En 3 syllabes, ça fait de la musique. Mandoline! Arbalète! Mais une arbalète, ça fait pas de musique! Ah, c'est parce que t'y connais rien! C'est faux! Mandoline, arbalète. Mot de passe! Ah non, il y a un mot de passe! Vous auriez un petit indice? J'ai du mal à m'en souvenir! C'est facile. En 3 syllabes, ça fait de la musique. Mandoline! Arbalète! Mais une arbalète, ça fait pas de musique! Ah, c'est parce que t'y connais rien! Un arc, c'est une syllabe, Jenny, non? Arc. Attends. Ça se trouve, t'as raison. Mais bon, le problème, c'est que je peux pas choisir, donc du coup, je suis un peu coincé. Alors, ici, c'est. Voilà, c'est de là où on vient. Donc, on va faire la petite quête secondaire qui est là. Ouvre-toi. Alors, elle est où? Elle est où le vin? Ah, des rats! Oui, il y a des rats! On va combattre les rats. Oui. Alors ensuite, l'ogre, on va le mettre là. Le nain, on va le mettre là. Le barbare, on va le mettre là. Et le voleur, on va le mettre là. Magicienne. La prêtresse. Voilà. Baston! Alors, on va
se booster. Voilà. Et on va se déplacer ici. Boum. Tiens, ça commence bien. Aïe. Oui, il y a d'autres qui arrivent par derrière. Oh la vache. Tu la vois mon énergie astrale, non? Ok, il y a deux rats qui sont venus par derrière. Ça, j'avais pas prévu ça. Ouche. Alors, soit je vais aider l'elfe. On va aller aider l'elfe. Bonjour, bonjour. Oh, je peux le one shot. Allez. Ah non, je le rate. Ah non. Ça, oh, un point de vie. La vache. Hop, esquivé. Oh la parade. Il est chaud l'endure là. Ok. Je vais me prendre un coup critique. Et dégage. Voilà. Tiens, mangez ça. Hop, deux d'assommer. Il y en a encore qui arrivent par derrière. Oh la vache. Non, voilà, pas la place. Ouf. Oh, le coup critique, quoi. Ça, c'est pas vrai. Ah, mais je vais tuer le. Je vais toucher le. Ou alors je vais soigner. Alors attends. 33 points de vie. Barbare, il a rien. Allez, tu sais quoi, on va soigner la prêtresse. Ils font mal quand même. Ouais, très mal, très très mal. Très très mal. Et puis le problème, c'est que là, je peux pas bouger parce que si je bouge, je me prends un coup. Alors, la prêtresse. Hop, elle peut faire un regain sur. Prière qui sonne les errements. Un souffle divin qui retire les états d'altération de la cible, sauf les blessures. Et là, on a 4 protect. Et ben, on va. À l'aide! Je suis empoisonné! Voilà. Je ne peux pas bouger parce que j'ai encore le rat derrière moi. C'est très pratique. Alors, oh. Ah, ça c'est bien ça. Hop. Il est passé par ici, il repassa par là. Splac. Celle-là. Alors, on va essayer cette compétence, tir lointain. 124%, 108%, 90%, 99%, 104%. On va soutenir un peu le ranger, parce que le ranger est en mode galère. Voilà, 17. De toute façon, dans tous les cas, j'ai pas le choix, je peux pas bouger. Voilà. Parce que si je bouge, il y a des chances que je me prenne 3 attaques d'un seul coup. Aïe. Oh. Oh, il a pris chef.
Oh, j'ai eu un contre là, c'était beau. Voilà. Allez, bim. Double attaque. Alors, le barbare. Et ben, le voleur va terminer celui-là. Et le barbare va l'aider, les copains. T'approche pas trop près. T'inquiète. 66%. 76%. Il y a que 22 points de vie, je peux le one-shot. Allez. Voilà. Paf. Là, on est sur de la stratégie, là, pour le coup, Ginny. Aïe, 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 aïe. Ils font mal, là. Alors, je peux aller derrière. C'est une très bonne idée, ça. Et du coup, on va faire quoi? Ah, j'ai besoin... Ah, j'ai pas assez d'endurance. Oh, faut 70, j'en ai 65. Bon, c'est pas grave. Toi, tu meurs. Voilà. Next. 76, 56. 76. Et voilà, boum. Oh, ça fait mal. Il a pris cher là, le rat. Il l'a touché ? Mais c'est la prêtresse tranquille, voyons. Tu m'attraperas pas, oh, l'esquive de l'elfe. Boum, tiens, un coup de bâton dans la bouche. Ah, on a perdu la magicienne. On a perdu la magicienne. Eh oui. Allez, je peux pas bouger. Hop. Alors, le voleur. Tac. Tac. Oh non, l'esquive. Oh non. Oh non. Ça, c'est pas bon, ça. Pas bon du tout. Alors. Lève-toi, la magicienne. Mais qu'est-ce qui... Et puis là, je me prends 3 attaques. Oh, c'est moche. Ouais. On va tuer un. Direct. Ah, mange. Et hop là, reviens ici. Voleur, l'attrape au vol. On va essayer de sauver Elf, hein. Manger, voilà. Deux d'un coup. Allez, ensuite. Suivant. Il y en a un autre. Ils sont où? Ah, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Oh non, là t'as rien pété du tout là. On a là. Allez, c'est l'heure de la déroute. Oh, il faut les rattraper avant qu'ils fuient. Déjà. Oh, il a fui. Oh, il fuit. Oh, il fuit. Tu
Tu ne fuiras point. Je sors le gros sort pour le tuer, quoi. Voilà. Non, mais oh. Ouais, d'où est-ce qu'il fuit, là? Allez, un petit gain de niveau, là? Non, même pas? Oh, même pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un blessé. Bandage, on met bandage. J'ai plus de bandage? J'ai plus de bandage. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Je n'ai plus de bandage. Il n'avait pas prévenu qu'il y avait des rats gros comme des sangliers ici. Bon, oh, ça va, c'était faisable. C'était largement faisable. Ouvre la porte, s'il vous plaît. Ah non, on peut pas ouvrir la porte. Voilà. Fouiller. Tout prendre. Alors, est-ce qu'il y a un levier dans le coin? Et où le levier? C'est bien beau d'avoir battu les rats, mais si je trouve pas le levier... Quelqu'un voit un levier? Ça use mes bottes. Oh bah d'accord. Mais c'est une blague. Donc j'ai battu les rats, mais j'ai pas le levier. Là, c'est si je veux remonter. C'est pas ça que je veux. Alors attends. Attends. Et où se foutu le levier? Je vais avoir un levier pour ouvrir cette grille là. Tout. Je l'avais relu, aidez-moi! Aidez-moi, je ne trouve pas le levier. Alors attends, est-ce que je peux... Le voleur est où? Le voleur... Ah bah oh là là, je suis passé trois fois à côté. N'importe quoi moi. N'importe quoi. Voilà. Ok. Et on va courir avec l'elfe. Devant toi. Ah ouais, bah non, mais je suis passé trois fois à côté, Jenny, c'est ça le pire. Regardez, du pinard. Cool, il faut trouver des crânes d'ennemis pour boire dedans. Mais quelle horreur! C'est comme ça que boit Chrome. Mais ça doit couler par les trous des oreilles. Du château Trouillac. C'est un grand cru. Il y en a pour une fortune. Faudra faire gaffe à rien casser alors. On pourrait la garder pour nous. C'est pas très honnête. Richesse et honnêteté sont des concepts peu fongibles. On peut s'en désoler, mais le constat est là. Moi, je préfère la bière, mais bon, on pourrait le vendre. Bon, on va déjà sortir de cette cave misérable, on verra après. Ah, on arrive à un choix. Un choix qui peut... Modifier légèrement l'histoire. Enfin, modifier. Sans me parler, bien sûr. Ça reste une quête annexe, après tout. Donc, on va retourner à la taverne. Rendre ces bouteilles. Et on va décider ce qu'on en fait de ces bouteilles.
Ouais, à force de le faire en stream toutes les semaines, je vais arriver au niveau de ma partie. Je prends tellement pas le temps d'y jouer. Donc là, c'est les toilettes, on s'en fout. Alors, on en fait quoi de son château Trouillac? Il est où? Il est là. Voilà, mes amis. Alors, vous avez été faire un tour à la cave? Vous avez trouvé le jaja? Alors, un choix s'offre à nous. Est-ce qu'on donne le vin ou est-ce qu'on garde le vin? Voilà. Je vous laisse choisir. On garde le vin. Allez, on va garder le vin. Partage pas sacré. Ok. Alors, on va suivre ce que Jenny a dit. Voilà. On garde le vin. Hélas, voilà. Nous sommes allés à la cave, mais il n'y avait aucune caisse de vin. Juste des rares forts vindicatifs. Ouais, ils étaient gros comme des dirigeables. Ah, dommage. J'imagine qu'un sagouin m'en aura délesté. Le monde est vraiment plein de malfaisants. À qui le dites-vous? Bon, c'est pas grave. J'irai en chercher une autre caisse à l'occasion. J'ai une réserve secrète. Bon, voilà. On a gardé le vin. Bon, nouvel objet, caisse de château de Trouillac. Ah mais, c'est l'histoire, Denis, moi, y a pas de souci. Hein. Dans tous les cas, j'ai juste regardé, est-ce que je peux le trouver où? Alors, attends, ça doit être dans ma zone des objets de quête. Suzanne, Thérèse, c'est les poulets, l'amulette du désordre. Ouais, j'ai pas le... Ah, je sais pas dans quel endroit il l'aurait mis. Ah si, elle est là. Pièce du château Trouillac. Détruire. Je peux sûrement la vendre. Voilà. Par curiosité, on va aller voir le prix. Alors, non, toi. Toi, hop. Est-ce que je peux te... Oula. Non, on veut pas dormir, on veut commercer pour l'instant. Est-ce que si je te vends ça... 284 pièces d'or. Ouais, c'est pas dégueu. Je m'attendais à plus cher, mais c'est pas dégueu. Voilà. On va laisser la compétence du nain monter. Parce que le nain a une compétence qui augmente ce qu'on vend et qui diminue ce qu'on achète. Donc ça peut être intéressant de laisser sa compétence monter. Et on n'a toujours pas trouvé le dernier poulet. Voilà. Il nous manque un poulet, toujours. Il nous manque Raymond. Bon. On va aller voir au carré VIP et puis on verra pour trouver Raymond après. Bon, là c'est un poulet blanc, donc c'est pas lui. Nous, ce qu'on cherche, c'est des poulets bleus. Donc si jamais vous voyez un poulet bleu, n'hésitez pas à le dire. Je vais chercher dans tout l'étage. J'ai pas trouvé. Allez, on va aller parler au mage. Bonjour, maître. Nous sommes des aventuriers et... Je vous attendais. Ah bon? Oui, je suis Midrantir, archimage consultant. Je possède une capacité intrinsèque de préscience divinatoire subastrale. Pardonnez-moi, mais c'est quoi un archimage consultant? Eh bien, je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie, mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle. Et ça paye bien? Mes tarifs commencent à 5000 pièces d'or par jour. Oh la vache! Ah oui, tout de même. C'est-à-dire que nous avions besoin d'aide et... On va pas lui lâcher 5000 pièces, ça va pas la tête. C'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens. Un peu beaucoup même. C'est efficace votre truc ? En tant que ranger, vous devez être adepte du management participatif, basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire, n'est-ce pas ? Ah oui, bien sûr. Y a une question dans votre phrase ? Je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en œuvre des compétences de combat. Afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle. C'est un sorcier. Il essaye de nous hypnotiser. Je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire. Alors, je vous propose de me rendre un petit service, disons, discret. La discrétion. Un concept, là encore, peu fongible avec l'honnêteté. Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de carton illustrés dans un endroit que la morale réprouve. À
Attendez, si je comprends bien, vous avez joué aux cartes dans un tripot ? C'est simplificateur. J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes et sise à la cave du présent donjon. Si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane, je serais votre obligé. Et à combien se monte cette créance ? C'est un détail sans importance. Nous ferons de notre mieux, monseigneur. Le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est Maracas. Je dois souligner que pour avoir notre aide, vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse, le Minster, qui s'est absenté un instant à la cuisine. Quoi ? Un autre sorcier ? Estimez-vous chanceux. D'ordinaire, nous sommes trois, mais notre troisième comparse mène actuellement une mission en freelance. J'aime pas trop comment ils abusent. Enfin, en même temps, on économise 5000 pièces d'or. Un mot, jeunes gens. Il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot, avec mon nom dessus. Je compte sur votre discrétion à ce sujet. Nous serons muets comme une tombe. Bon bah voilà, la suite de la quête. Donc il faut aider Mithrampyr et le Munster. Le Munster. On dirait limite le nom d'un fromage. Bonjour Albert. Bon, il est où Raymond ? Et où le poulet Raymond ? On a perdu le poulet Raymond. Alors, le master il doit être là-bas. Y a-t-il un poulet à l'horizon ? Oui, un poulet à l'horizon, on cherche un petit poulet. Oui, désolé, ça rimait avec la musique, j'ai bien aimé. Le master. Vous êtes bien le collègue de Mithrampyr ? En effet, je suis le Munster, archimage de la Mimolette et grand fromagicien de Fang, que voulez-vous ? Votre collègue nous a envoyé vers vous pour vous proposer notre aide. Ah, intéressant. C'est quoi un fromagicien ? Je suis spécialiste du fromage et donc je les collectionne. Je rédige un traité qui sera l'œuvre de ma vie, Wikimambert, l'encyclopédie universelle du fromage. Excusez, mais... Y a quoi comme rapport entre fromage et sorcellerie ? Par exemple, prenez le fromage du lait d'une vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de Xor. Les vers qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants. Mais c'est immonde ! Ah oui, tout de même. On se rend pas compte. Bon, vous disiez vouloir travailler pour moi. C'est pas comme si on avait le choix. L'idée, c'est de vous rendre un service pour que votre collectif de mages puisse nous aider dans notre quête. Je vois. J'ai justement besoin d'aide. Le chef cuisinier détient un fromage de grande renommée qu'il refuse de me céder pour un prix décent. Il s'agit d'une meule de fromage de Glarg. J'ai essayé de lui faire une proposition honnête, mais le ton est monté avec ce gargotier de malheur et... Et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux ? Les détails pratiques ne m'intéressent pas. Mais si d'aventure vous trouvez ce fromage, je saurai me montrer plus coulant. Plus coulant, c'est de l'humour fromager. Nous saurons aller droit au cœur de la meule. N'ayez crainte. Je vous attendrai au carré VIP, avec impatience et pain au noir. Bon, ben voilà. On a l'objectif de quête. On a les deux objectifs de quête. Donc on l'a aidé à la cave, effacer la reconnaissance de dette de Mithrampyr. Et on doit aller s'attaquer à la fromagerie. Par contre, d'abord, je vais faire un truc. On va se reposer. Parce que bon, c'est pas que ça coûte des points de vie tout ça, mais à un moment donné, je vais finir par laisser des plumes. Voilà, c'est parti. Déjà, j'avais Damadicine qui était... Après, bon, j'aurais très bien pu essayer de continuer comme ça, mais bon. On se remet bien, et on y va. Donc, n'hésitez pas, on cherche toujours un poulet. Le poulet! J'en ai trouvé un tout à l'heure dans la cuisine. Mais... Ouais, je ne trouverai pas un deuxième, je pense. Je sais pas où il est, le dernier poulet. C'est bizarre. Pas plus de poulet que de... Ouais. Pas plus de... Il n'y a pas plus de poulet. Alors, du coup... Le chef cuistot. Quoi ? Bah, que faites-vous ici ? Vous voulez quoi ? C'est bientôt le coup de feu. Sans rire, vous avez une arme à poudre ? Mais boucle-la !
Nous recherchons une meule de fromage de Glarg. Ah, ça. Ben oui, j'en ai. Et du bon. Pure brebis fente sauvage. Et il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Hein. C'est du clacos de luxe. C'est toujours le coup de massue, les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bique avarié. Restez poli, hein. Et donc, combien pour cette merveille gustative? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute un kilo de miel et une miche de pain. Donne ton clacos, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi! Ok, on va passer en phase de combat. Donc, on va mettre l'elfe là. On va laisser les autres sur place en fait. Juste avancer le nain. Quoique, attends. Attendez, le nain. Non, le nain, je vais le mettre au milieu. C'est le barbare que je vais mettre sur le côté. Oui. Bon, le barbare il va protéger. Il va être le dernier rempart contre l'elfe. Et l'ogre il va tenter de protéger la magicienne. Voilà. C'est parti. Je vais vous réduire en cendres. Allez, on se met en formation tactique. Serrez les rangs. La défensive. On prend cher depuis tout à l'heure, c'est énorme. Hein. J'ai l'impression d'être en mode. Hop, on se met à côté du nain. Ça, c'est bien ça. Direct dans le sujet, le barbare à l'assaut. 66%, allez. Allez, voilà, un de moins. Passer par derrière avec avec l'ogre. Allez. Oh, raté. Échec critique. Voilà. Il n'y a pas que moi qui ai des échecs critiques. Ah, je me prends un moins 5 quand même. Oh, c'est la mort ça. Oh, le coup critique, pouf, ça fait lui. Elle va pas leur enlever beaucoup de points de vie. Est-ce que le nain a besoin de soins? Non. On va attaquer. Oh, le poulet. Voilà. Côte-côte. Je ne suis pas là. À moi. Ouch. Aïe. Ça fait très mal. Le problème c'est que les deux là-bas ils font très mal. Enfin les trois là-bas font très mal. Allez hop.
Oh, l'esquive. 106% de précision, l'esquive. Oh là. On appelle ça ne pas avoir de luck. Tiens, hop. Serre les dents. Ouais, serre les dents. Ouais. Sa poutre. Sa poutre qu'il a dit, sa poutre. Alors, je vais y aller en mode barbare. On fait tout le tour avec le barbare. On est chaud. Et du coup... Ah non, j'ai le ranger dans la zone. Ah, j'ai pas pensé. Tant pis. Torgnole, façon Gurnil. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est déjà ça. Eh hey, mais il se régénère lui. Ah mais c'est régénéré, c'est une blague. Allez, 71, dégage. Boum. Oh, ils vont jamais mal. Ils vont bousiller le nain, en vrai. Voilà. Ça, c'est fait. Next. Alors, vous allez pas me bousiller le nain, parce que dans tous les cas, hop. Voilà. Elle est pratique, la prêtresse. Le voleur, alors. On va continuer par là, comme le barbare. Sans se faire repérer. À moi. Et tu vas où là? Ah d'accord. Merde. Ah mais il explose ses alliés en fait. Ok. Il manque une case. On va faire un bisou au ranger. Voilà. Allez. Oh, mais esquive pas, bon sang, c'est pas possible. Tiens, viens là, toi. Et bonne nuit, Jenny, à demain. Des bisous. 66%. 71, allez, mange. Voilà. Dans ta gueule. Le nain, il prend tarif. Alors, on va détruire ça. Je veux passer. La seule façon que j'ai de passer pour essayer de sauver le nain, c'est d'y aller à la bourrine. J'espère que je vais pouvoir sauver le nain d'ici. Ouais, je peux. Je peux sauver le nain. Ouais, de toute façon, il faut que je termine les deux. Boum, voilà. Le voleur. Le voleur toujours en fufu.
je vais essayer de faire l'attaque dans le dos avec le voleur. Alors, la flèche longue distance. 96, 111. Hop. C'est touché, c'est touché. Elle est contente. Le coup critique. Oui. Ouais, il peut pas être stun, dommage. Pas en rêve. Oh là. Trop risqué tout ça. 54%. Ah ouais. Mais... on va essayer quand même. Oh, elle a touché. Nice. Voilà, l'elfe. Et ben voilà. Easy. Facile ce combat, très facile. La magicienne gagne un niveau. La magicienne gagne un niveau. L'homme gagne un niveau. Eh ouais. Et j'ai toujours pas assez de potions pour soigner le groupe. Bon, c'est pas grave. Ah, du coup, on gagne un bâton. Bien. Un tel, dégâts critiques, chance de critique, précision, dégâts. Oh, pas mal. Et là. Ah, c'est pour l'ogre, ok. Ah, voici le... Oula, ça sent fort. C'est comme les bottes de mes oncles après une semaine de chasse. Je me sens pas bien. Mettons ça dans un sac et fichons le corps. T'as la miam miam, t'as la cupu. Non, tu n'en mangeras pas. C'est un objet de quête. Bon, retournons voir le master. Je parle du nez, la magicienne. Alors, du coup, les équipements que j'ai eu. J'ai un truc pour le... l'ogre. Joudaf, copain. Attention à mes livres. Excusez-moi. Alors, du coup, on va équiper sur... C'est très adapté. Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame. Elle, de toute façon, l'a déjà... Sauf si elle vous y invite. Ah,
Sauf si elle vous y invite quelqu'un. C'est indigne de moi. Bah oui, voilà. Indigne de toi, donc bon. Arrête. Alors, compétences. Du coup, où est-ce qu'on en est? On en est un ici. Alors, Swobok, les ennemis autour de l'ogre se retournent vers lui, subissent un malus de courage et ont plus de sens de l'attaquer. D'accord. Ça, c'est pour faire de l'aggro. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une paire de gifles qui inflige deux attaques à toutes les cibles devant l'ogre. Ah oui, trois, oui, d'accord. Ensuite. L'ogre renifle en l'air plusieurs fois et désigne un ennemi aléatoire dans la zone. D'effet pour ce prochain repas. La cible choisie subit un malus de protection. Révèle aussi les ennemis furtifs. Ah ouais, c'est pas mal ça. On va prendre celui-là. Et on va augmenter sa force. On débloque l'utilisation de marteau à deux mains pour l'ogre. Marteau à deux mains? Oh la vache. On va le prendre plus tard parce que les marteaux à deux mains, pour l'instant, on n'en a pas. J'en ai pas vu. Mais là, on va débloquer au moins la force de l'ogre, comme ça on pourra passer sur d'autres trucs. Alors, compétences. Bon, ça, j'ai trouvé que c'était inutile. 50% de chance d'étourdir. Ici, c'est le soin. Ça soigne tranche tendon. On va prendre celui-là. De nouvelles compétences. Ensuite, ici. Attends que le magicien adjacent qu'à l'ogre, elle gagne plus 3 en intel. D'accord. Ici. Les sorts de la magicienne gagnent plus 2 en portée. Tous les sorts de la magicienne infligent 10% de dégâts. Plus 10% de dégâts, d'accord. 5 en esquive. Régénération de l'énergie. Et bon, on va partir sur les dégâts. Je progresse d'heure en heure. Voilà. Le barbare. Alors, le barbare. Endurance maximum. Barbare gagne plus 10 en précision. Avec son attaque en utilisant l'épée. Le barbare gagne plus 5 en précision et 5% de dégâts ses attaques à l'arc. En sachant que le barbare, je le mets toujours au cac. Voilà. Je suis plus fort. Alors ici. Précision plus 10. D'accord. Parage d'acier, un coup puissant en arc de cercle qui frappe tous les persos, tous les personnages devant le barbare. Un coup en arc de cercle qui frappe tous les ennemis devant le barbare sans toucher les alliés. Ah, ça peut, c'est pas mal ça. Ah oui, d'accord, oui. On passe soit à 80%, soit à 130%. Ok. Et là, ici. Et bien, ouais. Je suis balèze. On va partir sur du 130%. De toute façon, je m'arrange toujours pour que les alliés ne soient pas dans la zone du barbare. Alors, du coup. Le barbare gagne un niveau. Ah, encore? D'accord. Au moins que. Ah non, c'est, ouais, c'est en fait. Le son du barbare qui gagne un niveau, ça a été mis après. Bon, j'aimerais bien trouver ce dernier poulet, là, en vrai, avant de terminer la soirée. On n'a pas trouvé Raymond, je sais pas où il est. On va faire la quête du ménestrel. Alors, comment se comporte mon groupe? Est-ce que... Zut, c'est le foutoir, là-dedans. De quoi prendre des notes. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Ouais, ça devrait aller. Je vais utiliser juste une potion, je crois. Consommable.
Cette potion ne vient pas de chez Mulfido, c'est sûr. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches? On va racheter des potions de toute façon. C'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Alors, commerce. Et les saucisses. Pour acheter les trois. J'espère que ce sera un investissement utile. La bière qui donne de la résistance magique. Elle est pas mal celle-là. En fait, ils vendent pas de potions quoi. Toi, tu vends des potions? Je sais pas à quoi sert ces trucs, mais ça coûte cher! Parce que ces machins-là se vendent pas, quoi. Enfin, je sais pas à quoi ça sert ces trucs-là. Je découvrirai peut-être par la suite au fur et à mesure du jeu, hein, mais. Allez, on va aller aider l'autre. Donc, pas le master, mais son collègue. Du coup, faut qu'on aille à la cave. Donc, on prend l'ascenseur. Allez, c'est reparti. Donc, faut qu'on aille là-bas. Ah oui, avec le mot de passe tout à l'heure là. Jenny était pas loin, hein. Mais bon, c'était un arc, c'est pas un instrument de musique. Mais Jenny, elle avait de l'idée. Voilà. Mot de passe. Facile, c'est. Mandoline. Sinon, une arbalète, ça peut faire de la musique. Ah punaise, non. Mais qui sont chiants ces deux-là? Vous êtes nuls. C'est maracas. C'est bon, entrez. Vous venez pour jouer? Vous n'avez pas l'air très en fond. Pourquoi il parle du fond de l'air? Il est frais? Nous venons pour la reconnaissance de dettes de Midrantir. Ah, quand même. Bon, vous allez payer alors? Quoi? Plutôt mourir! Par curiosité, il y en a pour combien si on veut la récupérer? 6000 pièces d'or. Fichtre! Et est-ce qu'on pourrait s'arranger autrement? Bien sûr, on prend aussi les joyaux, ou les objets magiques, ou même les armes enchantées. Midrantir nous a déjà fourgué une épée à deux mains pour payer une de ses ardoises. Si vous n'êtes pas plus coopératif, je devrais vous faire rosser par les manants qui m'accompagnent. Je vous soignerai ensuite, bien entendu. Euclid le commande. Si vous le prenez ainsi, ça va mal finir. Attendez. En fait, nous avons un problème. Ah oui? Oui, regardez, cette épée est bien trop affûtée. Il faut l'émousser sur un crâne d'orque. Baston! Alors, je suis avec l'ogre, donc l'ogre, on va le mettre en première ligne. Avec le barbare et non pas le ranger, le nain. Voilà. Ensuite, la prêtre reste derrière avec la magicienne.
le ranger et le voleur. J'essaie de strat. Serrez les rangs. Réaction 4, parade 28%. Okay. Et du coup, hop là. Donc du coup, on en a un là. On en a un là. Que je peux aller attaquer tout de suite. Un là. Et bon, on va l'attaquer celui-là. Une sur deux, c'est pas mal. Allez, première attaque sur le 1. Merde! À moi! À moi! Je prends attaquer 3 contre le nain. C'est naze la magie. Attention, ne marche pas sur ma robe. Voilà. On va protéger le nain quand même. Oh, raté. Boum, voilà, ça se fait. Je ne suis pas là. Oh, est-ce que ça je peux le détruire? Ah non, ok. Aïe! Ah oui, c'est un mage lui. Mortal Kombat. Mortal Kombat, d'accord. T'as peur. Petite parade du barbare là, histoire de faire plaisir. Alors, on a qui là? Le ranger. Boum, voilà. Next. Allez, on va tester cette nouvelle attaque. 79, allez. 53 de dégâts. Oh la vache. Et bah vous savez quoi?
Allez, mangez ça. Torgnole, façon Gurnil. Allez, une blessure, c'est ça qui est bon. Ah, raté. Même pas en rêve. Je n'ai pas une, mais pas l'autre. Bon. Merde. Oh, dommage. Alors, on va soigner le bar, le nain. Oh, la vache. Allez, je peux l'avoir plein fouet. Mais c'est clair, il fallait tout à genoux. Alors lui par contre. La mort frappe sans bruit. Oh, merde. Et ouais. Un bon orque est un orque mort. Ah, il me l'a assommé. Hein. Aïe. Non mais toi, toi, attends, 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 j'arrive toi. Toi j'arrive, tu vois. Je vais t'assommer là. Allez, là, aide-moi. 52. Le barbare il fait tellement de dégâts. Stun, comme ça tu me fous la paix. On va leur latter la gueule. Hazardo Kitina. Ouais, faut que je m'en serve de ces trucs là. Je vais essayer d'aller soigner le barbare aussi.
Le barbare commence à prendre cher. Mais je pense qu'il va bientôt. Ouais. Ouch, voilà, je l'avais dit. C'était prévisible. Ah bah tu sais quoi? Donc je peux pas t'attaquer. T'approches pas trop près. De côté, je vais t'attaquer de face. Voilà, boum, mange. Alors, on va essayer de soigner le barbare, d'ici. Du coup, le barbare... Hop. Là, il fallait encore son soin. Heureusement, d'ailleurs. Tapez. Attention. Et le nain, il résiste, hein. Oh, mais toi derrière moi, je te promets. Dès que j'en ai terminé avec l'or, avec l'ogre qui est devant, l'or qui est devant moi là, je viens t'exploser la tronche. Tu vois, ça va pas traîner. C'est quoi? Je vais même faire ça. Ah non, c'est vrai qu'il y avait lui là devant moi. Oh la vache. Voilà, hop. Allez. Voilà. Eh, hey, coucou Zaza. Comment tu vas? Bon, toi maintenant, je vais t'assommer. Oh, l'esquive. Voilà. Comment elle va, Zaza? Donc lui, il est KO. Lui, on à essaie mort, de l'étourdir. Raté. Dommage. Dommage, dommage. Allez, lui, hop. Ça va tranquille, écoute. Aïe. Moins 44. Oh. Quand je vais augmenter la force de l'ogre, ça va pas, ça va faire très mal. Voilà, c'est ça que je veux, attaque l'ogre. Si tu l'as raté, attaque-le quand même. Oh non! Oh! Alors. Voilà, moins 27. La prêtresse, on va soutenir le barbare. De toute façon, il ne reste plus que ça. Oh, d'accord, raté. Merci. Merci d'avoir joué, la prêtresse. Merci, c'est gentil. Oh, toi. Dans tes rêves. Tiens, esquive. Ah, je me suis fait moins 17 quand même, c'est une blague. Ah ouais, je me suis pris un moins 17 quand même. C'est ouf. C'est moi. Mais de rien, son moins 1 en mouvement avec son amulette, on voit pas la différence à l'elfe. Hein. Elle a tellement une longue portée que... Détruire. Aïe, moins 1, ah d'accord. Raté. Et viens à toi, viens à toi. Je suis pourri jusqu'à la moelle. Voilà, moins 15. À ton tour. Moins 41. Oh la vache. Le barbare, c'est un monstre. Face de l'outre. Face de l'outre, d'accord.
Vous connaissez la blague de l'orque bourré ? Qu'est-ce qu'il dit ? La blague de l'orque bourré ? Non ? Ouf ! Ah, mes flûtes. Vous n'avez personne d'autre à frapper ? Apparemment, il n'a personne d'autre à frapper. Moins 7% de dégâts collatéraux. Ouais. C'est à cause de l'ogre, ça. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est une blague, j'ai touché l'ogre. 7% de chance, j'ai touché l'ogre, quoi. Oh la vache, c'est une plaisanterie. À 7% de chance, je touche l'ogre. Ah, c'est arnaque. Ah d'accord, et là je suis à une case de l'ogre. Oh non. Bon, très bien. On va passer son tour. Raté. Prends ça, fiente de poule asthmatique. Fiente de poule asthmatique, très bien. Ok. On va essayer quand même. On va faire dégâts collatéraux sur le sur l'ogre à 7%. Pourquoi pas tester le. Ah, je suis à une case. Dommage. Ouais, dommage. Ah, mais je peux toucher lui. Allez, 10% de dégâts collatéraux. Allez. On essaie, on va rigoler. Attention! Non, ça va, elle n'a pas touché. Ah, d'accord. C'est ça que tu cherches à faire depuis tout à l'heure? Et même pas tu te barres, quoi. Oh, le mauvais! Viens là, toi, que je te charcute. Voilà. J'aime pas les orques, c'est encore plus laid que les nains. Eh ben, tu sais quoi, tu veux pas attaquer devant, eh ben je vais passer derrière toi. Et je vais t'en mettre une grosse clacasse. Voilà. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Échec critique, ok. Tiens. Je mets ma hache où je veux. Si tu frappais comme tu râles, on aurait déjà terminé ce donjon. Allez, on va prendre des points de vie à peu près tout le monde. Hop là. 59. 64. Allez log, allez. Voilà. On se couche. Trop loin. 100%. Bah, tout le monde est à peu près à 100%, c'est bien. Ah non, pas le barbare. On soigne le barbare. Profitez qu'on est en combat pour faire soigner le barbare. De toute façon, il ne reste qu'une seule cible. Donc. Et il reste que le ranger à soigner. Hop, esquiver. Esquiver, voilà. Et le ranger. Ah non, il y a l'elfe qui joue, donc je vais pouvoir. Ouais, parce que de toute façon, il le tuera pas avec son arc. Échec critique, d'accord. Cafard toujours. Oh la vache. Alors, elle a son soin. Donc on va soigner le ranger. Voilà. Histoire de utiliser moins de potions à la fin de
à la fin du combat. Allez, hop. Hey, mais il n'y a pas d'attaque d'opportunité, ok. Allez, viens. Viens tâter de la hache du nain. Ah, mais non. J'ai pas pu. Ok. Salut, je suis le ranger de Loubet. Le ranger de Loubet qui l'a dit? C'est le ranger de Loubet? Alors, on en est où? C'est qui ça? C'est la prêtresse. Trop loin. Raté, parfait. Tiens, bim. Oh! Oh, la pose parfaite. Oh, la pose parfaite pour le voleur. Ah non! Eh ben vous savez quoi? On y va en mode totalement what the fuck. Attention à mes livres! Hop, voilà. Ah, d'accord. Très bien. Il fallait me le dire que l'elfe a été. C'était une gourdasse aussi bien à l'arc que à l'épée. Voilà pour le coup. Bon allez, je peux y arriver là. Voilà. On va peut-être s'en sortir au final. Mais oui, on va s'en sortir, le voleur, t'inquiète. Tan 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 tan. Voilà. Encore là, glou glou qu'il a dit. Une arc, épée à deux mains de Nerlin. C'est parti, là. Parfait. La reconnaissance de dette était sur le corps du chaman. Bon, ça devrait contenter Midrantir. Il avait une épée sur lui. Bon acier. Sa poutre. Ouais, apparemment le métal a subi une bonne trempe à l'huile de bouc. Et puis l'acier a été bleui au tritil. C'est du boulot d'artisan nain. C'est une épée, quoi. Tais-toi, t'y connais rien, face de bosquet. Et toi, tête d'enclume. Mais c'est un compliment chez nous, pauvre naze. C'est bizarre quand même cette épée dans le tripot. Tiens, il y a une petite étiquette dessus. Midrantir, dépôt pour 1000 pièces d'or. Peu importe, on a la reconnaissance de dette. On peut retourner voir le sorcier au carré VIP. Moi, je garde l'épée. Ouais. Peut-être faudrait-il enlever cette étiquette. On nous a demandé d'être discrets. Non? Personne m'écoute, là. Le nain gagne un Le niveau. Le nain gagne un niveau. Allez, on va laisser écouter. Le voleur gagne voilà. un niveau. Le ranger gagne un niveau. La prêtresse gagne un niveau. Parfait tout ça. Alors du coup, le ranger. Donc là, on a choisi déjà une strat. Anticipation de Loubet. Une analyse stratégique de la situation qui augmente le mouvement. Le mouvement des alliés à proximité. D'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Le mauvais ranger améliore l'attaque standard
à l'arc du ranger, elle inflige deux fois plus de dégâts à l'ennemi. À moins de 20% de points de vie, d'accord. Le chef tombe en dernier. Débloque l'utilisation des armures de cuir lourdes pour le ranger. Le ranger gagne plus 1 en attaque d'opportunité et peut être effectué. Donc peut en effectuer 2 par tour. Okay. Un vrai leader avec voilà. De vraies compétences. Alors, on va augmenter ici. Je suis beaucoup plus au corps à corps, donc on va rester sur celle-là. Précision attaque. Ah mais je dis pas ça, je vais augmenter le soin. Renverser étourdi. On va rester c'est sur vachement le... plus utile on que le poison. Ensuite, le nain. Alors le nain. Comment je savate les poneys. Compétence obligatoire. Ensuite. Inflige des dégâts importants à tous les personnages autour du nain. Plus 120%. Inflige des dégâts à tous les importants autour du nain. Les cibles ont 50% d'être étourdies. Hop. Dégagez les Nazbrocs, je suis trop puissant. Le voleur. De chance de coup critique, le voleur gagne 0,5 dégâts critiques. Les bombes lancées par le voleur sont plus puissantes et ont des effets additionnels. Augmente les chances de désamorcer les pièges. Je m'améliore. Pour combien de temps? Alors ici, un espèce de chose trap. Empoisonné, immobilisé. Un carreau à l'arbalète est empoisonné. Ah, d'accord. Pas mal ça. Et ici, tranche tendon. Une attaque sournoise qui vise les pieds. Ok. Eh bon, on va rester sur celle-là. De nouvelles compétences. De nouveaux risques à prendre. Des fois, je tire à l'arbalète. Alors, elle là. La prêtresse regagne 25 points de vie lorsqu'elle active sa posture défensive. Lorsque la prêtresse est à couvert, les attaques à distance contre elle ont un malus supplémentaire de 15% en précision. Oh, c'est pas mal ça. Ensuite, énergie astrale, régénération. Okay. Je suis plus forte. Celle-là. Euclid veille sur moi. Ensuite, tour d'immobilisé. Enflammé, gelé ou empoisonné. Et bien on va rester partir sur celui-là. Allons, encore une pierre à mon diadème. Vu pour le ranger, je suis parti sur l'autre. Enflammé, empoisonné. Étourdi, immobilisé. Voilà. Parfait ça. Alors, inventaire maintenant. On fait le tour. Le ranger. C'est le foutoir là-dedans. Rien. J'ai des noisettes pour les écureuils. Nouvel arc pour. Oh, c'est pour moi? Merci. Regarde. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Il y a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. C'est pas donc couvert de torgnol. En principal, le personnage ne peut pas être déséquipé. 29-44, et on a quoi d'équiper 25-39. La précision 0, chance de coup critique 2. On va rester sur la première. Alors ici par contre, 2-2, 1-2, ok. Je donne rien à personne. Rien. Ah non, pas mes poches. On a de courage en 2 tours. Et celle-là, elle fait quoi? Les dégâts de cette arme ignorent la protection. Ouais, c'est vrai. Que voulez-vous, roturier? Et ben voilà. Allez, on continue. On a des trucs à fouiller. Ah, ouvrir.
sais pas ce que ça fait de compléter les bibliothèques, mais on finira bien pour le savoir. On n'est pas supposé avoir quelqu'un pour désamorcer les pièges. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait un piège là. Bravo. Pourquoi elle m'indique rien la carte? Ah si. Donc là-bas il y a. Ok, là il y a que l'escalier. Bah on peut y retourner en arrière, je pense. T'es en train de gerber ses tripes quoi. Ah mais. Je suis dans un piège. Est-ce que ça porte bonheur? Ça fait deux fois. Il y a une énigme sur ce mur. Est-ce qu'on essaie de la résoudre ou est-ce qu'on passe notre chemin? Tentez, hein. Pourquoi pas? Allons-y! Je suis une boîte sans charnière, sans clé, sans couvercle, qui renferme un trésor doré. Que suis-je? D'accord, c'est ça que ça fait, très bien. Très bien, très bien. Alors que je vois c'est quoi cette énigme du coup. Par contre je pense que j'ai bien besoin de récupérer. Ouais, j'ai carrément besoin de récupérer là. Parce que là pour le coup... Les deux pièces plus le machin, ça me fait très mal. Du coup, je suis en train de penser, j'ai plus l'objet en fait. Ouais, je crois que j'ai plus l'objet. Parchemin porno, d'accord, très bien. Ça c'est pour qui? Pour le ranger. J'adore le nom du truc, quoi. Parchemin porno, j'avais pas vu. En rythme, les derrière du mal sans lui. Il a l'air taré ce type. On dirait plutôt un ranger. C'est loin d'être incompatible. Laveuse de pichet. Ça va pas, camarade? J'ai perdu Mou, mon compagnon d'aventure. Comment triompher des méchants sans lui? Qui va garder mes arrières? Qui va terrasser les créatures immondes? C'est ennuyeux de perdre un compagnon. À quoi ressemble-t-il? C'est le plus courageux, le plus fort et le plus terrible des hamsters géants minuscules. Avec Binsk et Mou, on s'éclate. Des hamsters. Ah oui, c'est... On se rend pas compte. Malheureusement, je ne peux rien pour restaurer la santé mentale d'un être à l'intellect aussi limité que celui d'un rongeur. Sans Mou, Binsk est juste un ranger sans espoir et sans but, inutile et naze. Un peu comme tous les rangers. Ah ça va, c'est pas drôle. C'était quand la dernière fois que vous l'avez vu? J'étais aux toilettes, j'ai posé Mou pour pas qu'il sente les mauvaises odeurs, et quand je suis sorti... Il était plus là. Écoutez, camarade, on va voir ce qu'on peut faire pour le retrouver. Merci. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Mou, où es-tu? Hey, encore une quête supplémentaire. Encore? Mais ça pue ici. Les toilettes, toujours des toilettes. Je suis désolé de l'état lamentable de cet endroit, mais nous ne nettoyons les sols que le mercredi. Ce sont les ordres de la coopérative pour économiser sur le savon noir. Le ménage, c'est bon pour les elfes. La crasse crée une couche protectrice autour des choses.
Bah, n'importe quoi. Mais vous n'avez pas de plainte des clients. Vous savez, les gens viennent surtout au tripot pour le jeu, pas tellement pour la propreté. Nous essayons juste de maintenir les toilettes dans un état acceptable. L'acceptabilité de la propreté est un sujet très relatif. Chez les barbares, par exemple... Nous, on va derrière les buissons, c'est mieux. Dans tous les cas, évitez les toilettes du rez-de-chaussée. Elles sont infestées de rongeurs. On peut dire ce qu'on veut des toilettes du tripot, mais ici, au moins, aucun rat ne vous mordra au fondement. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Alors, du coup, on va retourner au premier étage. Alors, à la taverne, plutôt. Voilà. Donc, au rez-de-chaussée, il y a la quête secondaire avec le hamster. Et, toujours à la taverne, il y a la quête avec les poulets. Je vais refaire le tour pour le poulet. Et après, on va s'arrêter là. Faire le tour avec le pour le poulet. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Et après, on ira au carré VIP. Ah, est-ce que... Oui, celle-là, on l'a faite. Je crois que c'est au premier étage qu'il y a une porte en pierre, en fait. Alors, on est où là? Chrome n'a pas besoin de carte. On va les trouver. Voilà, ça y est. Nickel. On a tous les poulets. On a tous les poulets. Bon, on va aller voir. Alors, je vais aller rendre la quête des poulets. Voilà. Et après, on va aller voir ce que veulent les deux compères. On dirait une insulte. Ça n'a pas été facile, mais nous avions des compétences pointues sur le sujet. Le personnage me fait penser à quelqu'un. Vous méritez une bonne récompense. Grâce à vous, je suis sûr de gagner le concours avicole. Tu parles. Autant espérer gagner avec des vautours déplumés. Allez, on va au carré VIP. Et on va s'arrêter là. Noble archimage consultant, voici votre reconnaissance de dette. Ah, très bien.
Détruisons cela immédiatement pour réévaluer l'indicateur de risque qui pèse sur l'évolution indicielle de mes activités de conseil. Donc, au sujet de l'amulette... Voilà. Ah, je sens d'ici le fumet incomparable du lait de brebis fin fermenté dans des outres en peau de morchleg. Ah, c'est comme si on avait renversé les poubelles d'un restaurant pour gobelins. Oh. Nous sommes heureux de vous en faire présent. Oui, et puis, ça soulage. Si seulement on pouvait se rouler dans les fleurs maintenant, ça ferait peut-être passer l'odeur. Je dois reconnaître que malgré votre intérêt pour des sujets totalement éloignés du lactosérum et de la présure, vous avez un certain talent. Noble sorcier, je crois que nous avons terminé vos quêtes respectives. Ouais, même que c'était bien la misère de faire ces boulots pourris. Autant embrasser un poney albinos. Ça peut s'arranger. Poney albinos. Et d'ailleurs, d'accord, ça te ferait le plus grand bien. Mais bouclez-la! Peut-être que vos splendeurs arcaniques pourraient enfin étudier notre problème. Mon ami, je crois que ce collectif exploratoire s'est démarqué de la moyenne mobile des accomplissements aventuriers standards de la Caisse des Donjons. Peut-être qu'il manque un peu d'affinage, mais la pâte est prometteuse. Comment il s'écoute parler ? Si vous voulez bien produire l'objet de vos requêtes successives, nous allons procéder à une analyse astrale. Envoyez votre amulette, en plus ça rime avec mimolette. C'est long. À un moment, j'ai cru qu'on allait en être débarrassé. Ils échangent en langage des arcanes, on n'y comprend rien. Eh ben, figurez-vous que moi, je sais parler en écureuil, et c'est plus amusant. On s'en d'accord, balance. Merci l'elfe. Tout vient à point, à qui s'est attendre, c'est comme l'affinage d'une pâte cuite pressée. Il est probable qu'il s'agisse d'un objet magique d'une catégorisation maléfique avec sous-orientation maudite. Il est indissolublement lié à vos énergies astrales. Punaise, c'est maudit, quel scoop! L'objet est au service d'une déité du plan astral chaotique démoniaque, mais nous ne pouvons pas nous avancer davantage sur cette problématique. Le cahier est trop épais. Donc, en gros, c'est magique, chaotique, maudit, démoniaque, mais vous n'en savez pas plus. Nous avons conclu qu'il vous faudrait obtenir l'aide d'une entité chaotique puissante et démoniaque pour en savoir davantage. Demander à un démon? Là, dit comme ça, je le sens pas trop. Je renouvelle mon offre pour monter la garde à l'extérieur du donjon, même sans toucher ma part. Bon, les démons, vous savez, c'est comme les fromages. Il n'y en a pas de pareil, ils ont des formes très diverses. Il se trouve qu'au quatrième étage réside un démon qui pourrait sans doute vous renseigner. Il a été capturé par malédiction et ne constitue pas une menace immédiate. Cela semble quand même dangereux. N'y a-t-il pas un autre moyen? Ouais, par exemple, on met un coup de hache sur cette saloperie d'amulette. Le problème n'est pas l'amulette, mais l'entité démoniaque qui est derrière tout ça. Il vous faut remonter aux sources du mal, au pis de la vache, en somme. Bon, eh bien, il faut qu'on explore d'ici jusqu'au quatrième étage. Sauf qu'il y a un problème. Les accès au troisième semblent condamnés et sans troisième étage, pas de quatrième. Tiens, tu devrais parler plus souvent. C'est une remarque utile. Nous avons le moyen de vous aider. Je vous ouvre la grille qui mène au troisième étage. Et nous déclinons toute responsabilité quant à la suite de vos pérégrinations aventurières. Et ben voilà. Une dernière chose, il se peut que vous croisiez notre collègue. Il est parti depuis quelque temps dans les étages à la recherche d'un objet magique perdu. Et ben voilà. De l'XP pour tout le groupe. La reconnaissance d'être. La meule de fromage. On va laisser passer ces jeux, les objets là. Alors on y est. Oui. Alors on va faire un repos. J'ai deux quêtes. Attendez. Non, j'ai qu'une seule quête sur mon verre. Ah oui, non, c'est juste qu'il m'a dit que... Okay. Voilà. Donc du coup, on va se reposer. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, parce que là, on a pris cher avec les pièges, etc. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Ça fait plaisir. En cette fin du troisième épisode du Donjon de Nullbuck. Bon, on n'a pas fini le chapitre 3, parce que je me suis un peu attardé sur les quêtes secondaires. Je me dis, bon, autant en profiter tant qu'on y est. Vous me retrouverez la semaine prochaine. Demain, n'hésitez pas à passer sur la chaîne pour Nilis, qui streamera du League of Legends.
Mercredi, on aura Zazatos sur Overwatch. Jeudi, on aura Awesome sur GTA V. Et vendredi, Nounours sur Assassin's Creed Valhalla. Je vous souhaite une bonne semaine sur la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine.